Conservata, sì, sì.
En réalité, la mobilisation a été accueillie avec nous. La carrière de la PR1 se prolongera jusqu'en 1954. La PR2 prend alors le relais. L'efficacité remplace le La PR2 est possède un poste radio. Dès 1958, le général du Gaulle devient un pacifique, ça s'est forgé. La PR2 ne survit pas à une À la fin des années 60, c'est de l'acier, ça qui a été battu à chaleur, on a formé en tapis. On ne tape pas au-dessus de tapis. C'est une machine qui est en forme à chaud.
Ça va être la cantine. Vous qui avez examiné le cadavre. À quand on remonte la mort? 1945. Le monde du rail français sort de la guerre, meurtri, détruit. Et vous, monsieur Bouc, dans les temps de l'ordre, les premières locomotives 141R du rail. Elles arrivent aux États-Unis, où elles sont produites en série pour l'instant. Malgré leur rail commun, ils sont des révolutionnaires. Nous serons nous les clés du redressement à la société. Elles vont bouleverser l'organisation du monde de la en France. Un couple de nous jusqu'à présent imaginait que nous jouions. C'est qui dehors? C'est comme first class, hein? Wow. Ben hein. Là où je vous emmène, c'est le pays de rêve, c'est le pays de campagne. Les Italiens sont tous partis là-bas. Ah, c'est ça qui est la charme, c'est ça qui est trop bien. C'est quoi la vie plus belle que chez vous? C'est un pays riche, il y a du travail pour tous. T'as pris tes outils, maman? Bien sûr que j'ai ma boîte à fourmis. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait? Oh, c'est first class, là. Il y a de toilettes aussi, là. Vous êtes là. Merci. Et vous, pouvez-vous nous dire que le train a été bloqué par la neige? Donc, les gens d'Edmuit à Cossépin, il est impossible à quiconque de quitter le train. Force, vous avez de dire que le refus se passe par les voyageurs de la voiture, c'est en route de nez. Parliez-vous bien, madame?
préférés comme le vôtre et le mouchoir que je vous présente, mais c'est parce que dès qu'on met les sons, ce sont de nombreux personnes. Elles les cherchent dans les pistes. Non, non, vos explications ne me satisfont nullement. Je sais, il existe du crime. Une autre explication aussi plausible. Ça me rappelle le bon vieux camp de Berlin, tous les copains étaient pas dans sa cabine, mais il n'y avait personne. Pourtant, ces affaires sont là. Vous a-t-il déjà parlé de ces états de service? Il est très préoccupé, ces derniers temps. Depuis que je le connais, ça me parle un homme parfait. Mais mon intuition, c'est qu'il est russe. J'ai vu partir sur la liste de sa poche lorsqu'il m'a aperçu. La liste est où? Il m'a semblé qu'il était une liste codée. Pensez-vous qu'elle soit un espion? Et vous? Et si c'était vrai? Cela expliquerait la manœuvre de Londres. Ouais, attends, cela attends. Expliquerait beaucoup de c'est le photo mine, attends. Que les dernières personnes qui soupçonnent l'espionnage sont parfois familles. La supposition me donne trop dans le dos. C'est le cas de dire. N'ayez pas l'air si aimable avec moi, voyons. On va penser que nous avons fait connaissance tout à l'heure au couloir. Soyez mon invité et surtout ensemble un peu. Vous êtes de conclure que le meurtrier se cache parmi les voyageurs de la voiture Istanbul-Calais. Comment? Qu'alliez-vous dire, madame? Monsieur, comment expliquez-vous les témoignages de ma femme de chambre? Cela paraît très simple, madame. Elle reconnaît comme le vôtre le mouchoir que je lui présente, mais s'efforce de détourner les soupçons de votre personne. Elle vous cherche en alibi. Vous prévoyez tout, monsieur. Je vous admire. Non, non, vos explications ne me satisfont nullement. Je sais, il existe du crime. Une autre explication aussi plausible. And you know, this man, c'est une montagne dans un désert de poche. Vous ne voulez y aller, mais vous aussi. Il faut voir la mer rouge, ce creek de granite rose, et la ville d'Alexandrie. Vous n'ignorez pas qu'on l'appelle la perle de la Méditerranée, isn't it? Les pyramides, Luxor et la vallée de Roi, de Rennes. Oh my God, je passerai des heures et des heures à vous en parler. Look, look, je ne quitte jamais ce bijou que m'a offert mon pauvre mari. C'est mon prénom en hiéroglyphe, Jane. Platforms of history.
Rouge qui débute ici va vous faire parcourir plus de 160 ans d'évolution de la technique ferroviaire de 1844 à nos jours. Sur le camion de Rouen, vous allez traverser le 19e siècle, marqué par l'extension fulgurante du chemin de fer. Au cours de ce dernier siècle, la technique de locomotive à vapeur va évoluer très rapidement. 5 locomotives exceptionnelles vous attendent, ainsi qu'un train de voyageurs et un train de marchandises du 19e siècle. Locomotive à vapeur car elle est pour la vitesse, à gauche, une locomotive moins élégante mais plus moderne, elle est électrique. Dès le début du XXe siècle, le chemin de fer adopte la traction électrique qui va se développer rapidement pour la banlieue parisienne comme pour le métro. Mais les compagnies font construire des locomotives à vapeur toujours plus performantes. Le PE prend les raisons de la locomotive de légende, la Pacifique. La guerre de 14-18 va révéler l'importance stratégique du chemin de fer. Le ministère de la Guerre commande des locomotives simples et puissantes, capables d'acheminer les pièces d'artillerie. Ce quai numéro 2 est consacré aux années 1900 à 1917. Maintenant à l'orée des altifiants de la ligne Paris-Bordeaux, ils commandent pour la ligne de Sceaux de nouvelles automotrices spacieuses et confortables. Le midi étant vers Toulouse des lignes électrifiées. Le PLM électrifie la ligne de montagne de Chambéry à Modane, malgré les conditions hivernales difficiles. Il se lance aussi dans la mise au point de machines basses pour le rayon de l'Ibus. Autorail Bugatti, maître d'automobile, entreprend de construire des wagons rapides. Autorail aérodynamique et luxueusement équipé. Renault se lance aussi dans la fabrication d'autorails, moins coûteux que les trains vapeurs. Enfin et moins joyeux, en 1939, certaines voitures vont être sanitarisées pour le transport des blessés.
vous allez arriver en 1938, date charnière chez l'affaire en France, c'est la nationalisation et la création de la SNCF. Mais avant ça, vous pouvez monter sur le quai numéro 4 pour apprécier l'intérieur des matériaux que vous venez de trouver à l'extérieur. Un train exceptionnel vous attend sur le train. Sur un effectif de 17 000 locomotives à vapeur en 1939, seuls 6 000 sont en état de marche. Il faut construire une urgence de nouvelles machines. L'industrie française ne l'en peut pas. La SNCF fait donc appel aux constructeurs américains et canadiens pour leur commande 1340 locomotives à vapeur pour tout service appelé dans l'urgence. Le choix se porte sur une machine simple et robuste, la Mikado 141R à simple expansion à chauffe au charbon ou au fioul. La première machine est de fin 1945, 6 mois après la commande. La Jeep américaine présentée au moment de la locomotive n'a pas eu cette époque. Les autres locomotives suivent dans les deux ans, sauf 16 qui sont au milieu de l'Atlantique avec le cargo transporteur et une qui tombe au fond du port de Marseille. Les 141R, très appréciés de personnel, circulent sur toutes les lignes de la SNCF. Pour favoriser leur utilisation et leur productivité, les équipes de conduite, mécaniciens et chauffeurs, ne sont plus titulaires de leur locomotive. Celle-ci est utilisée suivant les besoins et la disponibilité des équipes. La 141R73 est définitivement éteinte le 31 mars 1974, marquant la fin de l'attraction de vapeur en France. Quelques 141R sont préservés par les associations. La 141R1187, construite par Baldwin aux États-Unis, chauffée au fioul, rejoint la cité du train en 1987 après avoir parcouru 1604707 km. Sa restauration a été effectuée au dépôt de Nevers.
Là-bas? Encore?
et comme quand on met une pièce à un endroit, la lumière s'éteint, et alors on peut appuyer sur tout le temps du coup, ça allume. C'est deux modèles. Explique, non. Regarde, il y a aussi les pompiers là au-dessus. Mais il y a le feu dans le bâtiment. Ah oui, il y a le feu. C'est un train de marchandises. Ah, on va vite le voir. Et maman, j'ai trouvé un endroit où ces stations là, c'est trop grand hein. Oui. C'est où? Je ne sais pas, c'est pas loin, c'est comme ça. Je vais voir de l'autre côté où ça dépend. Thank you.
aussi. Il y avait dans un vaisseau qui était pour le musée à la nageur. Il y avait aussi un poème. Thank you.
Hein?